Dans le canapé, t'es encore là? Est-ce que le chat est avec toi? T'es allé chercher le chat? Are you back in the business? Il est en PLS le chat, c'est vrai? Mais il a plus de balls en même temps. Il a plus de balls. Bon, comment il va l'espèce de l'escroc de chat? Il est dead. Il est dead. Parce qu'il a eu une piqueuse. Il l'a piqué ou bien il l'a... Il est raide, le chat il est raide. Il s'est fait couper les balls today le chat. Ah, c'est ainsi juste les balls. Je sais pas comment ils le font, ils les vident ou bien ils vident les sacs à balles ou... Qui est vétérinaire ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on castre un chat? Je sais qu'ils font juste des incisions dans les balls et qu'ils coupent pas vraiment les balls. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux try pour voir tonton? Ouais, sur les miennes, je me suis dit, j'en ai plus besoin là. Ils vident le chat. Ils les enlèvent, mais ils les coupent pas, non? Ils laissent le sac à balls ou... Il a les balls, mais ils font quoi? Ils vident ce qu'il y a dedans? Ils mettent quoi? De la boîte, du plastique dedans? Elles sont toutes petites, ils les vident, genre... Alright. Ils retirent les boules, standard. Mais ils laissent le sac à balls. Ils leur coupent le bout du pénis avec les dents. Ah ouais. Ne confonds pas ce que tu t'es fait à toi-même. Est-ce qu'ils font au chat, mon petit Saski? Ça les câble, comment tu fais? Je pète la forme aujourd'hui, je pense que j'ai trop envie de rigoler tout le temps. Tu pourras l'appeler Boursebol, Manon, ouais. Dans sa... Ah, il est dans sa caisse de transport en plus, il n'a pas bougé, ok. Ils mettent des petites billes à la place des balls. Vraiment? Non mais sérieusement, par ça, sérieusement. C'est vide, du coup en apparence il les a encore, mais c'est vide. Alright, on est... Donc ils vident les balls, ils incisent, ils vident les balls et ils laissent le sac à balls. Mais ils mettent rien dedans, ils mettent des petites billes, des petites machins, ouais. Vraiment? Ils lèvent le fourreau mais ils enlèvent la gonade, je crois. La gonade. The fuck. Deux mots que j'ai pas compris dans cette phrase. Enfin, fourreau, je sais ce que c'est un fourreau, mais la gonade, nom de Dieu, j'ai jamais entendu ce mot. Et pourtant, je connais des mots. C'est la boule? La gonade. Alright. Ah, d'accord, ok, c'est un terme spécifique. Ok, la gonade. C'est là où il y a les spermatozoïdes. Alright. Mais je ne connaissais pas ce terme spécifique aux balls. Des maracas? Non, t'es tiède. Maintenant, tu peux mettre des boules en silicone, mais sinon, on recoue tout. Ok, thank you, dudes. J'espère qu'ils l'ont mis des petites boules. Quoi, c'est parcousu? Comment ça, c'est parcousu? Ils l'ont rien cousu, ils ont ouvert les balls comme ça, ils ont laissé les boules genre « Hello !» Tu veux voir l'intérieur de mes balls? Les positions des bobos. Gonad, c'est les boules ouvertes. Merci, Jonathan. Merci, Not One. Thank you. Merci à tous ceux qui m'ont rendu plus intelligent aujourd'hui. On en apprend tous les jours. Ça, c'est chiant. Après, tu peux demander des trous en puce et faire une harmonica. J'imagine bien, tu sais. Tu prends le... Je viens d'avoir une image. Imagine. Oh. Oh God, I'm gonna die. I'm gonna die. Je viens d'avoir une image. Imagine, tu prends le... Je viens d'avoir une image, nom de Dieu. Imagine, tu prends le chat. tu prends le chat par les jambes. Tu prends le chat par les jambes, tu sais, avec les deux petites boules comme ça. T'imagines, t'as le cul ici. T'as les deux jambes comme ça et tu souffles dans les petites boules, tu sais. Oh my god. Oh putain. Non, t'es tué. Holy shit. Wow. C'est bon, I'm fine, dudes. I'm fine. Oh god. Je crois. Un charmonica, exactement. Une charmonica, man. Oh my god.